Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, j'aimerais d'abord remercier T-Punch parce que grâce à lui, on a trouvé une rallonge dans ce glitch-là. Donc, je vais vous expliquer un peu le topo. J'étais en classé avec un ami et pendant que j'étais en train de tenir une ligne dans ces escaliers-là, je sais, c'est très con de ma part. Et en fait, mon ami m'a tout simplement bougé, quoi. Enfin bref, il a fait comme H est en train de me faire à un instant. Il m'a complètement bougé et j'ai traversé le mur complètement. Et donc là, j'étais parti personnalisé avec T-Punch qui a trouvé une rallonge dans le bug. Donc j'aimerais d'abord le remercier. Et donc désolé, j'ai pas pu prendre ton gameplay. Même il l'a mis sur YouTube et j'ai pas pu prendre son gameplay. Donc j'aimerais bien vous le montrer. D'abord, il vous faudra Jaeger en défense parce que grâce à Jaeger, vous pouvez rallonger le bug. Vous allez vous mettre sur le mur le plus à gauche et vous allez poser un Jaeger. Vu que le Jaeger, il va vous emmener vers le mur et comme ça vous allez descendre du sol invisible. Vous serez à la hauteur des arbres et après vous avez juste à vous rallonger sur le poteau. Hop, vous faites la même manip, vous balancez un Jaeger, boum, vous descendez. C'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment T-Punch qui l'a trouvé. Je crois que je suis le premier français à vous montrer ce glitch-là. Et je vous avoue que pendant la bande-annonce du trailer, ça me donnait envie d'aller ici. Sauf que, bien sûr, ils montrent les choses les plus beaux, mais on n'a pas le droit d'y aller. Mais il faut savoir comme quoi Ubisoft a très bien travaillé dessus. Je trouve que c'est vraiment. Putain, ils ont modélisé le truc, quoi, pour vous dire. À part le petit banc marron, mais ça, c'est pas trop grave. Mais pour vous dire comme quoi ils ont modélisé le truc, ils ont pas fait ça comme des. Comme des cons, quoi, on va pas se le cacher. Ils ont vraiment modélisé le bordel. Et bah voilà. Donc, c'est vraiment un glitch. Éclatez-vous à le faire. Je pense pas qu'on va le faire en classé ou en simple, hein. Faudrait vraiment. Enfin, si la vidéo vous aura plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu et vous abonner. J'étais vraiment très content du retour qu'il y a eu sur le court-métrage Mike Biker. C'est vrai qu'on avait taffé dessus, je crois, pendant une petite semaine avec T-Punch et Gabriel. À la fin, on en avait marre, on n'en pouvait plus, il y en a encore d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!